Circonscription électorale de Diabo, la campagne bat son plein. Deux concurrents à la conquête de la mairie multiplient des rencontres pour séduire. Koumoué Kona René, tête de liste indépendante, s'apprête à quitter son QG pour les villages. Par rapport à ce que mes aînés et mes devanciers ont fait, nous en tant que jeunes, nous voulons apporter, pas un plus, mais appuyer ce que les aînés ont déjà fait. Nous avons beaucoup à faire au niveau de Diabo. Le développement, il manque, comme dans toutes les communes de Côte d'Ivoire d'ailleurs. Nous avons des problèmes d'infrastructure, des problèmes de scolarité, nous avons des problèmes, j'allais dire, au niveau des infrastructures de base. Et le problème d'emploi des jeunes et de la femme, il faut qu'on les organise. Yao Philippe Sagnan défend les couleurs du PDCI RDA. Ses lieutenants et lui ont investi le village de son adversaire. Ma priorité, c'est déjà la réconciliation, l'entente entre les fils et les filles de Diabo pour entamer mon programme sans difficulté. Je connais les problèmes de mes parents, les difficultés que mes parents vivent ici à Diabo. Et donc, en tant que fils, je crois qu'il nous appartient de venir à eux pour les aider dans la mesure de nos possibilités par le canal de la mairie. À Diabo, c'est une bataille de programme contre programme. Le 21 avril nous suivra donc pour le meilleur programme.